Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre nouvelle séance de la semaine. Séance durant laquelle je vous ai prévu une première partie un petit peu plus cardio avec du renforcement qui sera du gainage. Et dans la seconde partie, là je vous ai prévu plutôt un tour du monde, un tour de corps plutôt de renforcement musculaire. Donc on fera à chaque fois trois exercices sur une zone du corps bien précise et ben, voilà, on enchaînera plusieurs fois. Donc pour la séance, vous avez besoin d'un tapis, de petites haltères si vous en avez. Vous commencez à connaître, si vous n'avez pas d'haltères, vous prenez des poids, des sacs de farine, peut-être pas des sacs de pommes de terre parce que c'est un peu lourd, mais trouvez quelque chose qui vous leste et qui pèse au minimum 500 grammes et ce en deux exemplaires puisque vous avez deux bras. Veillez aussi à avoir de quoi bien vous hydrater tout au long de la séance. Je pense que j'ai tout dit et on est parti. Même chose, je ne mets pas de musique cette fois-ci, donc je vous laisse l'opportunité bien évidemment de la mettre chez vous. Et puis on est parti. Allez, on va commencer en trottinant sur place 30 secondes. Alors, on est gainé dès le début, on tire le nombril vers la colonne vertébrale. Vous verrez que c'est les seules 30 secondes où on va courir sur place sur toute la séance. C'est vraiment juste histoire de dire, de mettre le corps en mouvement gentiment. Et donc en fait pour cette première partie, je vous explique le déroulement en même temps qu'on trottine. On va partir sur des jump squats. Et oui, ça vous fait plaisir, je le vois d'ici. Donc on part sur des jump squats 30 secondes. Pour ensuite enchaîner avec un exercice de gainage qui lui durera une minute. Ensuite, on reprend les jump squats 30 secondes et on repart sur un exercice de gainage pendant une minute. Donc, c'est des petites, je pense qu'on fait 7 ou 8 tours comme ceci. Bah, vous verrez, ça va passer vite, mais voilà. Donc, je vous avais dit cardio et renfo. Donc, on y est. Allez, on trottine encore sur place 10 secondes. 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok. On vient se placer en position squat. Le premier tour, on fait uniquement les squats classiques. Ne jumpez pas sur le premier tour, on n'est pas encore assez échauffé. Les pieds écartés plus larges que les hanches. Les orteils orientés vers l'extérieur. Gardez le dos bien droit. Soufflez, on tire les fesses vers l'arrière. Le poids du corps sur les talons. Essoufflez, remonte. Allez, on est parti. 30 secondes. Allez, soufflez bien. Gardez le dos droit. Donc, les épaules, elles doivent rester dégagées. Resserrez les omoplates dans le dos. Allez, on continue à bien souffler. Regardez, est-ce que les genoux aillent toujours vers l'extérieur et soient toujours bien dans l'axe de vos pieds. Allez, encore 3, 2, 1 et relâchez. Ok, on vient se placer sur son tapis en gainage mental. Vous choisissez, je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de vent, hein. Sur les pieds ou sur les mains. On pense à bien souffler, on est gainé dès le départ. J'ai dit sur les pieds ou sur les mains, c'était sur les mains ou sur les coudes, pardon. Tant que les mains restent bien à plat au sol, on bascule le pubis vers l'avant. Tirez le nombril vers la colonne vertébrale. Allez, on souffle, on s'accroche. Si on est sur les mains, on garde bien les bras tendus. On repousse au niveau des épaules. Même si on arrondit dans le haut du dos, c'est pas grave, c'est normal. Allez, on tient, c'est le début. On n'oublie pas de respirer. Gardez le bassin en rétroversion. Poussez le pubis vers l'avant. Vos fessiers sont hyper contractés. On ne doit quasi plus les voir quand on vous regarde de l'extérieur, tellement les fessiers sont serrés, rentrés. Tirez le nombril vers la colonne vertébrale. Allez, on souffle, il reste 15 secondes. Ok, on s'accroche, on tient. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.
directement. Et on est parti pour les jump squats. Allez, 30 secondes. On souffle. On est bien explosif quand on va vers le haut. Allez, on essaie de ne pas s'arrêter. C'est le début. On n'est pas encore trop fatigué. Toujours avec bien le poids du corps sur les talons. À la descente, bien évidemment. Allez, encore 3, 2, 1. Dernier, relâchez. Et on vient se replacer en planche. Et on enchaîne avec les spiders. Donc là, on vient monter les genoux. Toujours en soufflant bien. On appuie sur les mains, si on n'a pas le choix. Allez, on souffle. Allez, on garde le dos bien droit. On continue à serrer les fessiers. On continue à serrer les abdos. Allez, soufflez bien. Sans remonter les fesses. On continue, on s'accroche. Je gère le timing. Allez, on tient. Allez, on respire. Allez, courage, ça diminue. Soufflez encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et redressez. On souffle. Et on réenchaîne directement avec les squats. Sautez. Allez, faites un sur deux. Si vous êtes vraiment pas sûr d'arriver au bout. Mais en tout cas, restez active. Allez, on souffle, on respire. On s'accroche. Allez, reste 10 secondes, un peu moins. 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Ok, on enchaîne. On vient se placer cette fois. Toujours en gainage latéral, les deux pieds l'un au-dessus de l'autre, l'un devant l'autre. Si on a des petits soucis d'équilibre, on repousse bien sur le coude et montez. Allez, on respire. Ici, on est en récup, hein, donc on est en récup active. Mais le cardio a tout le temps pour redescendre. Allez, souffle et on reste aligné. Serrez les abdos, les fessiers. Tirez le nombril vers la colonne vertébrale. Allez, les hanches, elles restent en haut. Interdiction de redescendre les hanches. Allez, on s'accroche. Allez, on respire. Soufflez bien. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Ok, on se remet debout. Allez, on est reparti pour les jumps. On s'accroche. Et on y va. Allez, au besoin, on ralentit un petit peu le rythme. Poussez bien sur la pointe des orteils. Pour être explosif quand vous sautez. Allez, ça diminue, courage. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Allez, planche latérale de l'autre côté. Ne refaites pas le même côté, bien évidemment. Allez, on souffle, on est placé et montez. Allez, on respire. Là, on sent que le cardio est bien haut grâce au jump squat. Et il redescend tranquillou en planche. Allez, montez les hanches. Restez bien haut.
Tirez toujours bien le nombril vers la colonne vertébrale. On n'oublie pas de respirer. Soufflez au maximum. J'ai un peu oublié le chrono, j'avoue. Allez, on va dire encore 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et relâchez. Allez, debout. On ne perd pas de temps, on enchaîne. Au plus vite on enchaîne, au plus vite c'est fini. Allez, on est reparti pour les jump squats. Allez, 30 secondes, on y va. Allez, soufflez bien. Alternez si besoin. Un squat simple et suivi d'un jump. Vous faites 5 jumps, 5 squats simples et puis vous reprenez les jumps. Allez, faites comme vous le sentez, mais on s'accroche. On reste actif. Allez, 3, 2, 1, relâchez. Ok, on vient replacer en gainage latéral. Allez, on s'accroche. Celle-ci, c'est pas une minute, c'est 30 secondes. On est en planche et on vient monter la jambe. Si c'est trop compliqué, mettez-vous sur le genou et on vient monter la jambe. Allez, on s'accroche, on tient, on respire. On reste gainé. Allez, gardez les hanches en haut. On tient la jambe tendue. On souffle, on respire. Allez, 3, 2, 1. Changez de sens. Directement, on ne perd pas de temps. Sur les genoux si besoin. Et on est parti. Allez, soufflez bien. On gagne. Fessiers serrés. Le nombril rentré. Allez, ne vous faites pas mal. Ne creusez pas dans le dos. Si c'est trop dur, franchement, venez fléchir la jambe. Posez le genou au sol, pardon. Allez, on tient encore. 3, 2, 1. Et relâchez. Allez, on enchaîne. On est reparti pour les squats. Les petits jumps, c'est parti. Ah, au début, c'est dur et puis on est un peu dans le mouvement et ça va, non? Allez, on s'accroche. Déroulez bien le pied. Poussez pour être explosif. On se grandit, on allonge quand on saute. On n'oublie pas de souffler, bien évidemment. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Wouh! Allez, on souffle. Et on vient se placer en gainage. Sur les coudes ou sur les bras, comme vous voulez. Allez, soufflez. Bassin en rétroversion. Tirez le nombril vers la colonne vertébrale. Allez, on s'accroche, on respire. On a un peu dur au niveau du cardio, c'est normal. Moi aussi, hein, je ne vous le cache pas, vous m'entendez, je pense donc. Allez, on tient. Allez, soufflez bien. On s'accroche. Serrez les fessiers. Tirez le nombril vers la colonne encore. Allez, c'est la muerte, mais c'est efficace. Courage, on s'accroche. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Allez, ça diminue. Plus que 2 tours. Et elle est faite. Allez, on est reparti pour les jumps. Allez, on y va. Soufflez, on s'accroche. Allez, on ralentit le rythme.
suis, ça commence à être dur. Soufflez, on s'allonge. Allez, encore on tient. Ça diminue, courage. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Allez, on lâche rien. On enchaîne en latéral. Sur les genoux, si c'est trop difficile. Si on est courageux, on le fait. Jambes tendues. Et on vient ramener le genou au coude. Soufflez en ramenant le genou. Et on ouvre bien la cage thoracique à l'inspiration. Allez, même chose, on s'accroche. Stabilisez. Allez, si c'est trop difficile sur les genoux, ça marche aussi. Alors, on ne repose pas la jambe au sol. Et on passe en extension et en flexion. Allez, courage, on tient, on s'accroche. Allez, on n'oublie pas de respirer surtout. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Ok. Allez, on passe direct de l'autre côté. Courage, ça diminue. Allez, on enchaîne, c'est parti. Allez, sur les genoux si c'est trop difficile. Pensez à bien souffler. On rouvre bien la cage thoracique. Et tout le buste à l'inspiration. Allez, encore on s'accroche. Moi, je tombe quand je regarde le timing. C'est pas grave. Allez, soufflez bien. On tient, c'est la fin, courage. Allez, on souffle. Petite boule, on souffle. Inspirez, redresse. Allez, ça diminue, courage. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Allez. Je suis morte aussi, promis. Allez, dernier tour. On lâche rien, c'est pas le moment. Allez, on est parti, go. Allez, c'est le dernier jump squat de la journée. Promis, on peut pas lâcher maintenant, on s'accroche. On continue à souffler. Il reste moins de 10 secondes. 8, 9, 6, 1, pardon, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Dernière planche. Allez. Sur les mains ou sur les coudes, comme vous voulez. On s'accroche. Dernière minute. C'est parti. Bassin en rétroversion. On serre les fesses, on tire le nombril vers la colonne. Allez, accrochez-vous, courage. J'ai mis les mains, mais vous pouvez mettre les coudes. Hein. Allez, on tient. Allez, encore, on lâche rien. On commence à bien respirer, on souffle. C'est la fin. Il reste 20 secondes. Allez, poussez le pubis vers le sol. Serrez les fessiers. Tirez le nombril vers la colonne vertébrale. Allez, courage. C'est bientôt fini. On tient. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez.
parfait les filles, nickel. Première partie, cardio renfo, elle est faite. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie.